d'athlétisme sont réalisées conformément aux normes requises par la Fédération internationale d'athlétisme. Pour être conforme, le pôle sera complètement réfectionné. Une pelouse naturelle sera installée. Le système d'irrigation et d'assainissement seront le gouvernement chinois est devenu le lieu incontournable des événements sportifs au Sénégal. Moi, avec un système d'éclairage beaucoup plus moderne, donc au lieu de l'halogène qu'on a eu. Ça, c'est l'assiette foncière de Léopold Senghor. Le focus doit être mis sur Léopold Senghor. Léopold Senghor, on en a besoin. On a besoin, c'est une urgence. Parce que cette capitale qui est Dakar, qui compte beaucoup plus d'acteurs sportifs, surtout ceux qui jouent au football, dans le Nawetane et partout, cette capitale est privée de compétition il y a de cela presque 2 à 3 ans. Et ça, nous pouvons comprendre l'inquiétude des sportifs de Dakar, les difficultés auxquelles sont confrontés. Donc, il faut nécessairement que les travaux se fassent très rapidement pour soulager Dakar et permettre en tout cas aux acteurs du sport de pouvoir bénéficier de conditions leur permettant de pratiquer. C'est pourquoi Demba Diop et Léopold Senghor, c'est des urgences. Nous avons mis la pression sur qui de droit pour que effectivement Léopold Senghor puisse démarrer compte tenu de la pandémie, malgré les retards, malgré tout ce qui se passe. L'État, en relation avec la République populaire de Chine, nous avons fait le travail nécessaire pour pouvoir démarrer. Je pense que pour réaliser tout ça, on est vers les 4 milliards de francs CFA. La planification a déjà fait le travail avec les finances. Et le plus essentiel, c'était d'avoir l'inscription et continuer le travail pour finir l'ensemble de ce projet. Maintenant, c'est mettre la pression. Et je commencerai par mettre cette pression sur le directeur des infrastructures. Je voudrais que... C'est vrai que vous n'êtes pas seul, il y a la DCMP, vos dossiers sont là-bas, mais hâtez le pas pour que l'entreprise qui sera désignée puisse démarrer très rapidement le travail. Je vous avais dit aussi que puisque nos amis de la République populaire de Chine, surtout cette grande entreprise China State Construction Energy, qui doit démarrer d'ici la deuxième quinzaine du mois de juin, faites tout pour que les travaux de la première phase de Léopold Senghor, surtout au niveau du parking, puissent démarrer en même temps que l'entreprise chinoise. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus et nous avons envie d'aller plus loin et de mettre à disposition de l'ensemble des sportifs des infrastructures sportives de qualité. Et c'est pourquoi vous pouvez le constater avec le budget du ministère des Sports, tous les ans, il y a une évolution, surtout dans le domaine des infrastructures sportives. C'est la même chose avec la FIFA, parce que l'attribution va intervenir dans les prochains jours pour que l'entreprise qui doit engager les travaux de Demba Diop puisse démarrer. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes engagés dans cette dynamique sur instruction du chef de l'État pour faire de sorte que le Sénégal dispose de bonnes infrastructures sportives. Que ça soit ici, que ça soit à l'intérieur du pays. Parce que les travaux ne se limiteront pas à faire de Dakar un hub sportif et laisser en rade les autres régions. Partout. Mais on peut avoir quand même des salles multifonctionnelles qui permettent en tout cas à tous les Sénégalais de pouvoir pratiquer le sport. Pour Léopold Senghor et les 4 stades, c'est 40 milliards. 20 milliards à Léopold Senghor et les 20 autres milliards vont être dispatchés. Je vais vous donner peut-être chaque stade combien on va mettre là-bas. Pour le parking de Léopold Senghor, c'est 4 milliards à terme. Et pour Marvis Ndiaye, c'est environ 2 milliards pour le moment. Mais qui peut évoluer parce qu'on a l'ambition. Et quand on démarre, il faut finir. Il faut faire plus pour aller plus loin. Donc nous sommes autour aujourd'hui de 46 milliards
pour tout ce que vous a montré tout à l'heure. Bon, vous savez, une réhabilitation ne peut pas coûter autant de milliards. Cela veut dire qu'il y a d'autres commodités qui accompagneront cette réhabilitation. Mais Léopold ne va pas durer autant de temps. Léopold, maximum un an et quelques. Normalement, on aura fait l'essentiel des travaux. Inch'Allah. C'est la même chose parce que nous sommes dans les études et la maquette est terminée. Parce que j'avais dit en son temps qu'on n'abandonnera jamais Marwis Ndiaye. Et la maquette est déjà là. Nous allons commencer le travail. Il y a une inscription de 400, je pense, combien de millions ? 300 millions. Déjà pour réhabiliter Marwis Ndiaye et le transformer pour effectivement avoir un temple de basket. Parce que Dakar Arena est un peu éloigné pour le moment. Et il est trop grand aussi pour certaines compétitions. Donc refaire Marwis Ndiaye est une obligation. Parce qu'on ne peut pas laisser la réhabilitation de Demba Diop. Demba Diop redevient un stade neuf. Et que Marwis Ndiaye à côté tombe en ruine. Ça c'est inacceptable. De toute façon on ne le fera pas. C'est pourquoi on a anticipé pour réhabiliter complètement Marwis Ndiaye. Marwis Ndiaye qui est une histoire de notre basket. Même si on a 1000 Dakar Arena, il faudrait qu'on maintienne ce temple du basket parce que c'est ça l'histoire.